Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau véhicule. C'est le Debussy Champion, un véhicule qui coûte 2 995 000 dollars ou 2 246 250 dollars avec le tarif spécial. Alors, il est basé sur l'Aston Martin Victor. Voilà. Et on va aller l'essayer tout de suite avec 5 étoiles. C'est parti. Alors pour ce faire, on va toujours se munir du minigun. Donc c'est parti, let's go. On va essayer d'atteindre les 5 étoiles le plus rapidement possible. Voilà la police qui arrive. On va vite la faire éliminer. Voilà, premier hélico. Premier hélico, 4 étoiles. Vite faire partir l'hélicoptère. Vous voyez, le minigun, c'est toujours utile. Hein. C'est ce que je prends à chaque fois pour avoir 5 étoiles. Nous voilà avec 5 étoiles. On peut maintenant partir. Ah, il y a un petit filou qui est resté. Il va nous abîmer la carrosserie. Donc ce véhicule, je ne l'ai pas encore essayé. Mais c'est le tout dernier qui est sorti. Oh, déjà un pneu crevé. Ça veut dire quoi, ça? Alors les amis, on a un pneu crevé là, faut me soutenir. On va essayer d'aller le plus loin possible pour tester ce véhicule, mais franchement les pneus là sont hors d'usage quoi. Pour un véhicule qui coûte 2 millions, même 3 millions vu que 2 millions 995 000, et un deuxième pneu crevé déjà, ça veut dire quoi? Donc c'est un véhicule qui est franchement très beau, très futuriste pour l'année 2021-2022. Il s'apprête vraiment à la street. Oh mon dieu, mais on a déjà deux pneus crevés. Deux pneus crevés, quoi. On va aller le customiser dans le prochain épisode. Dans le troisième épisode, on ira faire le crash test 5 étoiles avec la Debussy Champion customisée. Bon, qu'est-ce que je peux en dire là pour le moment? Ben je sais pas, j'ai pas pu la tester véritablement quoi. Je peux en dire que je sais pas, elle se manie un petit peu normalement. Je sais pas si c'est. Elle est assez basique, je sais pas si c'est avec les pneus crevés. Mais si elle est basique avec des pneus crevés, qu'est-ce que ça doit être sans pneus crevés? On va aller voir Trevor. Trevor, au secours, t'as des pneus de rechange pour moi? Tu dirais bien motherfucker. au moins on vole dessous de la voiture. Alors elle s'appelle Champion parce que sûrement en référence avec l'Aston Martin Victor. Victor qui veut dire victoire. Donc voilà, ni plus ni moins. Customisée, elle doit être franchement belle. Hein. Parce que déjà, on voit l'aileron, on voit les caractères, le contraste entre le carbone, les pots d'échappement latéraux, qui sont très nerveux. Tout ça fait penser à une victoire, quoi. Un champion de victoire. J'aurais voulu passer. Non, tout le contraire, je voulais passer de l'autre côté. Je voulais passer à droite. Oh là là, on est dans un. Dans un dédale de. De policiers. Ah non. Remets-toi droite. Merci. Ah, ferme la porte. Bon, on passe au milieu, hein. Au milieu, il y en a moins. Wouhou. Bon, elle est stable quand même. Et bon, tant qu'à faire, hein. Wouhou! Oh non, mais en l'air, ils nous ont. Ah non, mais j'ai pas réussi à la remettre droite alors que je sais faire. Normalement.
Ah non, mais on n'avait pas de pneus crevés. À moins que les pneus étaient dégonflés. Ah, peut-être que dans la mise à jour... Ah, laissez passer, madame. Peut-être que dans cette mise à jour... Ah non, non, non. Dans la mise à jour, ils ont mis les pneus crevés... dégonflés avant crevés. Allez, on est reparti. Pour avoir 5 étoiles. Alors, n'oubliez pas d'utiliser le minigun. Pour abattre les hélicoptères... etc. Avoir 5 étoiles le plus rapidement possible. Là, je me suis placé sur un toit. Ce qui sera vachement plus pratique pour fuir. Parce que je trouve qu'elle est trop fragile d'origine. Et je trouve aussi qu'elle glisse un petit peu trop. Donc, après custom, ils vont mettre un large aileron. Énorme même. Et elle sera beaucoup plus stable. Parce que là, je trouve qu'elle glisse un petit peu trop. Et elle est un petit peu trop fragile aussi, à mon goût. Hein. Parce que d'autres me crevaient aussi rapidement que possible que ça. Et je trouve qu'ils ont changé quelque chose, c'est qu'ils dégonflent les pneus avant qu'ils soient crevés, quoi. Mais bien longtemps. Allez, on a 5 étoiles. On repart tester cette debauchée champion. Oh, il y avait la police. Boum. Wouh. Wow. Oh. Ouais, donc je trouve qu'elle glisse un petit peu trop à mon goût. Hein. Oh, y a la police qui sort de partout. Bon, nos pneus sont encore en état de rouler, mais c'est ce qu'ils visent là en ce moment, je crois. Oh, y en a un droit devant nous. Hop, on sort. On sort. On va aller prendre le méga jump en face. Wow! Wow, 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 wow! Boom! Bon, ça va. On arrive à s'amuser avec. Mais tout à... Enfin, après, on pourra mettre un large aileron, je vous dis. Et puis, au blindage, etc. Au roue anti-crevaison. Parce que l'aileron va franchement aider. Un petit peu comme dans la Krieger. Qui était vachement glissante sans aileron et qui est devenue vachement stable après customisation. Il y a la police de partout qui sort là. On se démène pas trop mal, on se démène pas trop mal. Mais en face les gars, un barrage. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Wow, GGN, on a réussi à l'avoir. Bon, je peux pas faire de cinématique ni d'arrière-plan là parce que wow, ça va beaucoup trop vite à mon goût. Ça va beaucoup trop vite à mon goût. Puis ils sont partout, hein, regardez, ils sont partout sur la map là. Dès qu'on trouve un nouveau chemin, ils sont là. Ils sont là. Elle ressemble aussi un petit peu à une caméra. Hein. Bon, ils sont en face là, ils sont partout de toute façon. Allez, ils ont crevé un pneu. Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais je ne peux pas faire autrement. On est mal, on est mal, on est mal. Ils nous crevent tous les pneus là. Allez, c'est la fête des pneus. C'est la nouvelle fête. Ah non. Vous voyez, les pneus, ils sont encore là. Ah non, là, il y en a un qui manque. Ah. On est pris comme un rat. Il va encore nous pousser, je suis sûr. Ah, il y a les GGN de partout. Non, 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 non. Regardez, elle ressemble un petit peu à une Camaro quand même. Ah non, mais deux pneus là, deux pneus. Deux pneus latéraux. Il me reste qu'un seul pneu. Il me reste qu'un seul pneu. Donc d'origine, je vous la conseille surtout pas. Ah, customisé là. Mais tu vas t'ouvrir toi. Quand tu veux. Mon neveu. Ah non, je ne peux plus. Donc voilà, moi je peux plus rien y faire. Cette voiture est trop fragile pour 5 étoiles, je trouve. Et il y en a qui sont franchement mieux et moins chers. Donc allez voir la playlist Crash Test parce que franchement celle-là, moi je peux plus. Moi aussi, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche de notification. Passez une excellente journée, profitez du soleil, sortez, salut.